Hey, salut bouffeur de moustiques, j'espère que t'as passé une brave petite journée. Ah là là, c'est affreux, je te raconte pas. Ah non non, mais c'est clair, me raconte pas. Aujourd'hui j'ai un truc qui me décolle les bats de signaux, alors comme d'habitude, faut que je t'en parle. Batman, tu connais ? Batman, c'est qui ? Hola citoyen, besoin d'un coup de main ? Ah putain, ça recommence ! Mais dis donc, c'est qu'il est tout musclé celui-là ! Madame, s'il vous plaît, ne me touchez pas les bas de tablette ! Je suis vachement chatouilleux ! Mais arrêtez, Il est vraiment dur de partout, ce grand monsieur ! Batman, on peut les mettre tant qu'on veut, mais c'est quand même un mec déguisé en permanence alors que c'est pas Halloween. Ah non, la journée, il sort la cravate. Tu m'excuses, mais là, on va parler de Batman, pas de Bruce Wayne. Sorry, bro, non, mais c'est vrai que des fois, je m'emballe un poil, je sais que... Donc, je disais, ce mec est tout le temps costumé, et faut voir à quel point c'est moulant, l'histoire. Ah, franchement, ça va, c'est juste que ça pique un peu au niveau des parties. Alors, quand tu ajoutes à ça le fait qu'il se maquille le soir avant d'aller chasser... Ah non, 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 je me maquille pas. Et le noir autour des yeux, mon chou? Ah putain, j'étais sûr qu'on voyait que dalle. Et coucou, j'ai une question, t'es vraiment chauve en vrai de vrai? Bah purée, c'est quoi cette question de merde? Bah, t'es pas déguisé en chauve-souris? Là, franchement, joli! En plus de sa voix de fumeur de gaulois sans filtre... On a eu du lait! Batman, en gros, c'est milliardaire le jour qui enchaîne les meufs avec une petite préférence pour les chatons. Et la nuit, c'est carnaval! Les démons de minuit? En tout cas, c'est un mec qui dort pas terrible s'il faut qu'il assure tous les jours pendant 24 heures. Ah bah non, chérie, y'a aussi la nuit! Je vais faire semblant de pas l'avoir entendu, celle-là. Y'a un truc qui m'échappe, vous vivez bien dans la ville la plus pourrie du monde, non ? 2800 meurtres par jour, bon, ça dépend quand ils sont en forme, mais en moyenne, c'est ça. Déménage ! Vous le savez aussi bien que moi, Batman vit dans un immense manoir avec... des chambres au rez-de-chaussée, des chambres au premier, des chambres au deuxième, des salles de réunion, des canapés dans ses nombreux bureaux... Ah putain ! Des canapés ! Des baignoires immenses, des transats dans tout le jardin... Tu m'expliques pourquoi il dort dans sa cave ? La Batcave n'est pas simplement un nid douillet, c'est aussi le centre de contrôle de Gotham le plus perfectionné de tout le pays. Oui, oui, si tu veux. Il dort dans une cave, ce clochard ! Batou ? Tu dois en stocker de la minouse dans cette cave vu la place qu'il y a ? Ha ha ! Et encore, t'as pas vu la cave à pinard ? Alors j'ai justement là un putain de merlot de 1856, tu m'en diras des nouvelles. Bah quoi ? T'es plus Pinot Noir ? Y'a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est qu'il a des dizaines de voitures, mais il se déplace en grappin, t'as vu ? Non mais laisse, chouchou ! T'as pas compris que c'était pour la discrétion ? Bah qu'il prenne le taxi déguisé en citoyen, non ? D'autant plus que quand il prend la bagnole, c'est pour faire du 200 à l'heure en zone piétonne avec un vaisseau spatial. Alors bon, niveau discrétion... Ah bah c'est vrai que dit comme ça, t'es complètement con, mon pauvre ami ! Bon, je crois que je vais y aller, moi, hein. Ah non, tu restes là, on a pas fini ! Bon, plus sérieusement, niveau matos, t'as quoi sur toi ? Alors, c'est très simple. Un grappin pour attraper les gonzesses et me balancer de toi en toi. Une cape que je peux rigidifier d'une simple pression. Ben, je comprends pas, normalement ça fonctionne d'habitude. Des rangers étanches, bon ça c'est pour la flotte tout simplement. Des lunettes de vision nocturne, avec ça je suis un vrai nyctalope. Bon après, il y a la Batmobile, mais tu l'as déjà dit. Ah oui, en effet, impressionnant cet attirail. Du coup, avec ta cape, tu peux planer ? Ah mais, complet. C'est pas plutôt ce qui fume, ce qui le fait planer ? Au niveau des films, Batman s'est fait remarquer à travers le temps dans de nombreuses adaptations ciné, notamment avec pas mal de gros navets avant les années 2000. Mais néanmoins, la série animée des années 90 restera marquante pour moi. Ah mais grave, je me souviens, c'était génial. Est-ce que t'as déjà remarqué que les ennemis de Batman représentent tous des maladies mentales très avancées ? C'est pour cela que je les balance tous à Arkham sans hésiter. Ah bah merde, faut t'enfermer aussi toi mon pauvre. Ah justement, on va en parler. Parce qu'il fallait bien que j'attaque les points négatifs. Bande de rire, on n'y était pas là ? Batman c'est un super héros, mais je le fous au défi de dormir la tête en bas comme ses copines chauves-souris. Mais moi je te fous au défi d'aller pisser avec tes collants. Tu serais étonné, j'ai une braguette. Franchement, tu portes tellement de cuir que tu dois pas cracher sur les soirées olé olé. Des soirées sur la corrida. Et... Camoulox ! Sans déconner, tu crèves pas de chaud l'été à Gotham ? M'en parle pas, on travaille sur le sujet avec Alfred pour m'aérer un peu les bourses. Dis Batou ! Ah ça y est, il craque comme les autres, j'en étais sûr. Je peux savoir ce que tu consommes pour tenir la distance avec si peu de sommeil dans les escalopes ? Tu peux pas en parler. L'autre jour, je lisais un truc sur la muscu. Tu sais que le repos et la bouffe sont super importants pour une bonne prise de masse ? Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, pour assumer au plus mort avec Catwoman, faut prendre soin de toi. Regarde-moi comme j'assure avec ma femme tous les soirs. Tu sais, bébé, c'est pas la quantité qui compte. Ah oui ? C'est la qualité. Je peux conclure. Vas-y. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Attends, mais c'est Francis Cabrel, ça. Pas besoin de flics dans ta ville quand t'as... Une chauve-souris. Qui veille sur toi le soir parce qu'il a bu assez de... cocaïne. Puis bon, je suis un mec super fort et viril. En collant avec du noir autour des yeux. Qui foutrait une branlée au Joker le soir sur un... Au revoir. Toi, ah, me dites pas que vous allez tout niquer. Batman, il serait pas un peu perché au final ? Si, en haut des buildings.
Merci, vieux. À votre service. Bon, à présent, tu rentres te coucher, ça suffit maintenant. Cette maison-là? Non, l'autre, tu vis dans un asile de fous, Arkham, ça s'appelle. Tu te souviens, Bruce? Non, parce que courir dans les rues de ta ville à 3h du mat déguisé en albatros, c'est quand même vachement chelou, non? Et toi, tu le connaissais aussi bien, Batman? Abonne-toi si t'es tout neuf et laisse-moi un gros pouce. Mais garde tes gants, s'il te plaît. Bisous, peace, love, flex, durée. C'est nul!